Le 22 septembre, Samuel Eto'o avait déclaré sur ses réseaux sociaux qu'il avait l'intention de briguer la présidence de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT. Près de deux mois plus tard, l'ancienne vedette du ballon rond est passée à l'acte en déposant officiellement sa candidature à Yaoundé ce mercredi. Âgé de 40 ans, l'ancien attaquant de FC Barcelone a assuré que l'équipe sortante lui avait proposé le poste de vice-président. Il a refusé. « Je serai le prochain président de la fédération malgré toutes les tricheries », a-t-il martelé. « Je prie le camp d'en face de faire attention parce que nous avons accepté beaucoup de choses », a déclaré Eto'o à la presse, peu après avoir rempli les formalités administratives. « Si l'un des Camerounais qui a bien voulu me donner son parrainage est éliminé, je viendrai ici avec toute cette foule qui me suit. » et même celle des autres régions pour les déloger, a-t-il prévenu, s'adressant aux dirigeants actuels de la FECAFOOT.